Bonjour à tous, c'est Jonathan. Je retrouve aujourd'hui pour un module particulier, un module qui va cibler seulement le haut du corps. Donc travail des pectoraux, travail du dos, travail des bras. Pour ce faire, aujourd'hui, besoin d'un petit peu de matériel, enfin un petit peu, une chaise ou un pouf. Ça va servir pour faire les dips et pour surélever nos pieds. Un poids assez lourd, donc moi c'est un kettlebell. Pour vous, ça peut être un pack d'eau, un pack de lait, un disque en fonte, peu importe. Pour faire un tirage en fait avec un seul bras. Je vais vous conseiller entre 4 et 25 kg. Et deux petits poids de 500 grammes, 1,5 kg pour faire le gainage Superman. Comme d'habitude pour les modules, vous vous échauffez avant de faire le module, d'accord? Donc là, principalement, échauffer les épaules, les coudes, les poignets, d'accord? Petite chose aussi, petite précision, il va y avoir des pompes pendant les exercices. Si vous n'êtes pas capable de faire encore des pompes sur les pieds, tout simplement vous remplacez par des pompes sur les genoux. Excepté la 7e série où là, je vais vous conseiller de faire les pompes sur les pieds, voilà, au lieu de sur le pouf. 7 exercices à chaque fois, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Et on va essayer de faire ça, donc là sur vidéo, on va le faire 3 fois, d'accord? Après, libre à vous de le faire minimum 2 fois, je vous conseillerais, et jusqu'à 4, 5 fois. Personnellement, je l'ai fait 5 fois, là, juste avant de tourner cette introduction. Donc ça passe crème, il n'y a pas de souci. Et on se voit tout de suite pour commencer. Allez, on se met en place, à tout de suite. On commence dans 15 secondes. Dans 15 secondes. Pompe classique. Je descends, je remonte. Je tends bien les bras à chaque fois. Allez, on se met en place. C'est parti. On va pas trop vite. On est bien gainé au niveau du ventre. Allez, on tient bon. Il vous reste quelques secondes. On relâche. Donc là, vous avez 30 secondes de récupération entre chaque exercice. On va directement préparer le suivant. Ça va être le tirage dorsal. Donc là, je vais commencer avec le tirage à droite. Pour ce faire, main gauche au sol, genou gauche au sol, jambe droite tendue. J'attrape le poids. Et je tire coude le long du corps. On se prépare. On part dans 2 secondes. Allez-y. Donc je tire le coude bien haut vers le plafond. Et on relâche. Prochain exercice, les dips. Vous allez avoir besoin donc de votre pouf, de votre chaise. Donc, tout simplement, je saisis les jambes sur l'avant. Je cherche à bien serrer les omoplates l'une vers l'autre. Je descends et je repousse avec les bras. Donc, vous voyez, vous avez vraiment un bon temps de récup entre chaque. Un. C'est parti. Je descends bien les fesses et je remonte. Si vous tendez les jambes, ça va être un peu plus dur. On relâche. Donc, on va se préparer ensuite dans 20 secondes pour le tirage côté gauche. Jambe droite au sol, pied gauche tendu, main droite au niveau du sol. On part dans 8 secondes. Allez, tenez bon tout le monde. C'est parti. Allez,
Allez, 7 secondes. On relâche. 30 secondes de récup. Prochain exercice, on va repartir sur des pompes, mais là c'est ce qu'on appelle les pompes diamants. Pourquoi on appelle ça les pompes diamants? C'est que vous allez créer un diamant avec vos mains, tout simplement. Tendre bien les jambes et descendre de cette façon. On part dans 7 secondes. Préparez-vous. 2, 1, c'est parti. Moins de 10 secondes. On relâche. Prochain exercice. C'est le fameux exercice où vous avez besoin de vos deux petits bras, de vos haltères. Donc c'est ce qu'on va appeler Superman. Je vais ici tendre, décoller mes jambes, genoux. D'accord, les genoux, les pieds sont décollés. Je décolle la tête, les épaules. Je cherche à amener les mains sur l'avant, puis les coudes sur l'arrière. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Je décolle bien, j'allonge bien la tête, le sommet du crâne, sur l'avant. Je serre le ventre. Allez, tenez bon, 5 secondes. On relâche. Pour le dernier exercice, j'ai à nouveau besoin de mon pouf. Ou de ma chaise, hein, d'accord. Je vais décoller, les pieds surélevés. Et là, on va descendre en 4 temps, puis remonter en 4 temps. Ça marche ? Celui-là, vu qu'on va pas en faire beaucoup, on part dans 3 secondes, on va faire 40 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on remonte. On descend. On remonte. Encore. Allez, dernière. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Ok, super. Du coup, je vous laisse 2 minutes de repos. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on rattaque pour le deuxième tour. C'est parti, à tout de suite. Ok, bon, vous êtes prêts. Vous avez pris votre repos, vous avez bu un coup. On attaque maintenant le deuxième round. Hop, départ dans 15 secondes. On commence par les pompes comme tout à l'heure, pompes classiques. Pas trop vite, pas trop lent. On se prépare, vous y êtes dans 5 secondes, on est parti. 2, 1, allez-y. Allez, la moitié déjà. On relâche. On prépare ensuite son poids lourd pour le tirage. Dans 20 secondes à peu près. Hop, je sais pas si vous commencez à sentir déjà un peu les muscles ou pas. Pour moi ça va, premier tour. Allez, on y est presque. 5 secondes et on y va. Allez-y.
Allez, on tient bon, la moitié déjà. Ok. On prend son pouf, sa chaise. On attaque le troisième, les dips. Hop, dans 20 secondes. Les dips, on n'oublie pas. On imagine vraiment les omoplates se serrer l'une vers l'autre. D'accord. Si c'est trop dur, à un moment, vous faites une pause, hein, vous essayez. Faites 10, pause 10 par exemple. On est en place. Allez-y. Allez, on tient bon. Allez, allez, on continue. On lâche pas. Et on relâche. 30 secondes de récup. On prépare son poids pour le tirage à gauche. Respirez. Moins de 10 secondes. Allez-y. Allez, moins de 10 secondes. On relâche. Prochain, c'est les pompes diamants. Pas le plus facile, celui-ci. 20 secondes. On respire. Donc, le temps de récupération vous permet de réoxygéner le muscle pour qu'il soit plus performant, tout simplement. C'est pour ça qu'on a pas mal de temps de récup. 2, 1, pompe diamant, c'est parti. Oh, relâche. Prochain exercice, vous prenez vos deux petits poids pour faire le Superman. Superman, on essaye vraiment de se grandir au maximum, d'accord? Cherchez un allongement. Ensuite, je serre le ventre, je décolle les pieds, je décolle la tête. Et on fait le travail avec les bras. Allez, 3, 2, 1. Allez, tenez bon. 7 secondes. Serrez le ventre. On relâche. Dernier exercice. Les pompes surélevées. Les pompes, vraiment, vous comptez jusqu'à 4, lentement en descendant. Jusqu'à 4 en remontant. 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
On continue. Encore. 4. J'en propose une dernière pour finir. 3. 4. 1. 2. 3. Et 4. Ok. Comme tout à l'heure, petite pause, 2 minutes, vous buvez un coup, et on se retrouve pour la troisième série. Ok, j'espère que vous avez le temps de récupérer. Ben c'est bon, c'est la troisième série, donc moi je m'arrête à 3 hein, pour pas que la vidéo soit trop longue aujourd'hui. Donc on se prépare, hop, dans 15 secondes, la troisième série commence. Mêmes exercices, on essaye de faire des gestes propres jusqu'au bout. Vous voyez, hein, logiquement ça passe, c'est pas non plus une série trop difficile en fait. Les exercices sont bien alternés pour que ça soit pas trop dur. Allez, on y va. Pompe, c'est parti. Ok, on récupère, on prépare tout de suite son poids pour le tirage. Hop, préparez-vous, respirez bien. Je souffle quand je tire le poids vers le haut, j'inspire quand je repose. Allez-y. Allez, continuez. Très bien. On va s'asseoir pour son petit dips. Hop. Vingt secondes avant de commencer. Hop, les muscles récupèrent, bon, on commence un petit peu à les sentir, je pense. Quand même. Allez-y, c'est parti. Allez, on est bon, moins de 10 secondes. 5 secondes. Ok, on relâche. On a le temps, on prépare son matériel pour le tirage à gauche. Hop. On commence dans 10 secondes. Soyez prêts. Deux, un, c'est parti. Toujours, hein, la règle, c'est toujours la même. On expire pendant l'effort et on inspire pendant que je sens plus calme. Tenez bon. On relâche. Hop, ça n'a plus besoin. Prochaine, c'est les pompes diamants. Vous avez encore 15 secondes pour récupérer. Allez, tenez bon. C'est parti.
Donc il y a une variante hein, qui consiste à mettre son nez dans le diamant, donc en mettant les mains un peu plus loin. C'est pas mal aussi. C'est juste que moi ça me fait un peu mal au coude. Donc je place plutôt le diamant au niveau de ma cage thoracique. On relâche. C'est une variante hein, qui est un petit peu plus dure. Plus vous avez les mains sur l'avant, plus déjà vous allez être obligé de gainer. Et le transfert de poids de corps va pas être évident. Vous pouvez le faire. Après, voilà, ça va dépendre de vos articulations, tout ça. On doit toujours s'adapter à son propre corps. On n'oublie pas ça. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important si on veut perdurer dans le sport. Savoir s'écouter et le comprendre. Allez, c'est parti, Superman. Moins de 10 secondes. Ok, on pause. On se prépare pour le dernier exercice. Le dernier exercice est le plus efficace pour prendre du volume au niveau des pecs. Pieds surélevés, les bras pas trop larges, les bras prises normales, pas trop hautes. Vraiment presque au niveau des pecs. Et là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui va créer du développement. C'est parti, en 4 temps toujours. 4. On en fait une dernière. Ok, super. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est pas pour les sportifs au niveau ultra entraîné, c'est vraiment accessible, je dirais presque à monsieur tout le monde. Le moment qu'on arrive à faire quelques pompes. Vous avez toujours la variante de faire vos pompes sur les genoux si elle veut voir. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais me la faire une 4e fois là, après la vidéo. Enfin, après la fin de la vidéo. Puis ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jonathan. Merci.